et ça me touche. C'est sûr qu'avec mon devinant que je filmais de règle générale moi-même, parfois avec un ami ou deux amis, mais c'est plutôt moi qui tenais la caméra, hélas, pour le spectateur, mais c'est un hélas. Il y a Braque aussi qui est là, vous avez vu? Non, j'ai pas vu, non. Qui part Douaneau. Il y a des types qui peuvent, des petits vieux qui ne peuvent plus payer leur chauffage. La palette de Gauguin était peut-être un peu plus soignée que celle-ci. Ah bon ? Vous croyez que ça se soigne des palettes ? Ce qui est arrivé à Mondovino était un miracle. Je reste reconnaissant, c'est grâce à la France que le film existe, c'est grâce à la France que le film a été diffusé dans le monde. Ça reste une surprise incroyable. Ce qui est arrivé, je ne suis pas sûr si je fais des films pour changer les choses. Je dirais plutôt que je pense que c'est là, il a dit non, non, pour moi, il n'y a pas de différence. Je suis complètement d'accord avec lui, je ne fais pas de distinction entre documentaire et fiction. Est-ce qu'il y a les techniques de Jonathan Lassiter qui sont pourtant des techniques venant des techniciens sur le plateau, c'était très lourd à porter. Je suis assez sauvage et j'ai envie de vivre des expériences sauvages. C'est pour ça que je suis assez content avec les Sex Comedy, dans la mesure où pour la première fois de ma vie, j'ai pu vivre ce côté sauvage, vif, présent, que j'ai découvert, cette liberté que j'ai découvert dans mon devinant. Je disais souvent mon père. Aux énergies des gens, à leur contexte, à leur humeur. J'ai trouvé un grand chef pour faire rire aussi, comme dit Lubo Pakchev, qui fait des films de Kechiche, de Julie Delpy, qui est un homme extraordinaire. Et donc, avec Lubo, je pense qu'on s'est évacué, disons, les maladresses de moi comme cameraman dans mon devinant, mais tout en gardant la liberté, la spontanéité, la réactivité de ce regard qui cherche un peu derrière. Pourquoi, je n'ai pas aussi faire ce regard que vous avez, effectivement, qui est moins maladroit, la caméra tremble un petit peu moins, c'est ce que vous voulez dire, mais pour quelle raison y a-t-il à chaque fois chez vous cette volonté de tourner sans maquillage, y compris pour les actrices, ce qui parfois peut être terrible sur certaines scènes, cette volonté d'être... Parlez quoi? Les fatigues du pied. Et de gens de la rue, de la vraie vie. Pourquoi mélanger tout cela? Ah oui, mais écoutez, ça tout le temps. D'abord, pour moi,